c'est parti avec le grand départ de Jérôme Crochet-Jeannin qui lui aussi fait sa dernière course sur Landros puisque la semaine prochaine il sera remplacé au volant de cette Mersenne numéro 9 par un certain Sébastien Loeb bien sûr qui sera avec nous du côté de Superbe S. Pour l'instant il est parti devant Jérôme Crochet-Jeannin, Sylvain Puchet derrière menacé tout de suite par Olivier Pernaud et derrière on retrouve justement Benoît Trélulier et Olivier Panis en bagarre alors que Julien Febvre regarde ça en disant mais je vais faire quoi moi là pour essayer de faire quelque chose. Ouais, c'est assez serré dans la descente, c'est quasiment impossible de doubler, il faut juste bien se positionner ici dans ce virage pour aller chercher le freinage maintenant. Et il y va Olivier. Eh oui. De toute façon, sa voiture, elle est plus à sa prêt, hein. Faut y aller. Là. C'est vrai que bon, un bon pif de plus ou de moins. Allez, premier tour donc, Crochet-Jeannin bien sûr en tête, record du tour bien sûr également. Ouais, et derrière, on a Sylvain Puchet, Olivier Pernaud, Trélulier, Panis, Febvre. Ouais, Sylvain Puchet un peu en difficulté. On voit que pour l'instant, sur ce premier tour, eh bien Olivier Pernaud est un peu plus agressif, un peu plus menaçant. Est-ce que les clous d'Olivier Pernaud sont mieux que Sylvain Puchet? En tout cas, il lui met vraiment une grosse, grosse pression. Et derrière, un tandem, un binôme de choc, Trélulier Panis. Ah oui, ça c'est top, hein. Les deux grands champions au coude à coude dans cette finale de la catégorie élite entre Olivier Panis et Benoît Trélulier, un palmarès, tu le disais, Franck exceptionnel, des mecs adorables. Et devant, pendant ce temps-là, Jérôme Crochet. Il y va. Ah oui, respect. Bien sûr. Et en attendant, Jérôme Crochet-Jeannin qui, je vous le disais, va céder sa place à Sébastien Loeb le week-end prochain, mais il est en train de s'éclater. Il est largement en tête de cette finale, record du tour in the pocket avec un 44.9. Et on a des chronos quand même ce soir assez sympa. Et puis toujours, vous le voyez, la Zoé numéro 4 d'Olivier Pernaud qui tente de trouver l'ouverture sur la I-208 numéro 69 de Sylvain Puchet, mais pour l'instant, il ne trouve pas. Et Julien Febvre qui a un tout petit peu en difficulté derrière, à 6 secondes 419. Et c'est vrai que devant, il a quand même il a la chance de pouvoir participer et de voir ce spectacle qui il y revient. Il y va, attention, il y revient. Ah oui, Julien Febvre qui profite et du spectacle de Panis. Coude à coude avec Trélulier, les deux voitures portière contre portière dans la montée. C'est énorme. Qui va gagner? C'est énorme. Sérieux, Panis qui passe. Et Ben, il n'a surtout pas osé, on parlait de grand champion, il n'a même pas osé fermer la porte. Ah. C'est bon, il est peut-être à l'intérieur. Attention maintenant, c'est Olivier Pernaud qui fait le spectacle. À mon avis, l'attaque d'Olivier Pernaud, suivons-le bien, cette voiture numéro 4, puisque dans l'épingle du fond du circuit, Olivier Pernaud, ça fait trois fois qu'il essaye, trois fois qu'il remonte au niveau de la portière de Sylvain Puchet. Il va essayer une nouvelle fois là-bas en bas. On va le suivre ce duel entre Sylvain Puchet, deuxième, et Olivier Pernaud, troisième. Sylvain Puchet sur la défensive au niveau de l'épingle, il va essayer de fermer la porte, ce qui fait remarquablement bien. Et ce qui fait que Olivier Pernaud n'a pas pu aller au contact et n'a pas pu essayer de passer. Il a attaqué un peu plus, il a sûrement cassé aussi plus ses clous. Et donc, il va falloir maintenant pour lui aller au bout parce que cette troisième place, elle est importante aussi. Bien sûr. Julien Febvre est rentré. Ah, d'accord. Merci de l'info, Thierry. Et devant, on a toujours Jérôme Crochet-Jeannin, record du tour en piste. Et derrière, nouvelle attaque, peut-être. Non, il était un petit peu loin, là, Olivier Pernaud. Mais la défensive aussi de Sylvain Puchet est remarquable. Il aura gardé sa deuxième place et il a fallu s'en occuper. Parce que derrière, Olivier Pernaud klaxonnait de plus en plus fort. C'était pas tout à fait le klaxon de Philippe Bansard, mais pas loin. Allez, on est retourné à la descente, là, tous les deux. Allez, avant dernier tour, dernier tour. On va rentrer dans le dernier tour. Là, on est à l'amorce du dernier tour. D'ailleurs, il vient de rentrer dans son dernier tour à l'instant même, Jérôme Crochet-Jeannin. Ouais, il est vite, il est bien. Et derrière, on a toujours, ouais, mais il a perdu un petit peu de terrain là, Olivier Pernaud, tu le disais, Franck, les pneus commencent à crier au secours là. Et il n'y a plus possibilité d'aller. Ouais, là Sylvain Puchet a remis une couche. Lui aussi, il attaque fort, mais là toutes les voitures sont un petit peu à l'agonie hein, au niveau des clous. En tout cas, le spectacle est somptueux. Et surtout dans ce dernier tour, eh bien. Crochet-Jeannin pour l'instant avec 2 secondes devrait s'imposer. Oui, c'est bon, il lui reste voilà, le freinage à l'épingle ici. La remontée maintenant, voilà, il est dans l'épingle. Voilà, toujours bien maîtrisé. La remontée, une petite côte à 10% là. Et on se retrouve sous le drapeau à Damier. Et c'est fait. Victoire dans cette finale de Jérôme Crochet-Jeannin qui prend donc la 7e place de cette deuxième journée à l'Anse-en-Vercors devant Sylvain Puchet, Olivier Pernaud, Panis.
Est-ce que Benoît Trélier est là ? Il est là, il est là. Et surtout, voilà. Sous vos applaudissements. Alors, on compte sur vous, le public. Une ovation, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Une ovation pour, bien sûr, Grosset-Jeannin qui s'est imposé sur cette finale, mais surtout pour Benoît Trélier. Je vous en supplie, je vous convie à faire une ovation à ce grand champion qui est Benoît Trélier. Ah, Benoît Trélier. Merci, Benoît, pour toutes ces années. Et voilà, on peut Benoît. Faire une ovation voilà, avec cette voiture Andros Sport. Merci au team Muller aussi d'avoir permis à Benoît de faire cette saison.